J'ai bien mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis fatiguée de travail, ça a été compliqué, les clients sont tous chiants. Allez, je vais aller dormir. Enfin, on va éteindre toutes les lumières parce que bon, c'est pas Versailles ici. L'électricité, ça coûte très très cher. Ah, j'ai oublié d'éteindre la lumière ici. Et dans la salle de bain, bien évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai cette manie de toujours laisser la lumière allumée partout. Ça, c'est parce que je suis vraiment une petite flippette, hein. Hop. Et bien évidemment, on va éteindre la lumière ici. J'aime pas du tout être dans le noir. Moi, je suis comme une enfant, faut me laisser une veilleuse. Ah, je vais dormir. Est-ce que j'ai laissé... Non, est-ce que j'ai bien... Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Oh, c'est bon, j'ai trop la flemme de descendre en bas. Je suis sûre que je l'ai laissé fermer, de toute manière. Bienvenue dans le Vendrezel Horror Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Mais où est-ce que je me suis réveillée? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un ascenseur? Mais je suis jamais venue ici. Faut que je me pince. Aïe! Oh, ce n'est pas un rêve. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis perdue. Et cette chose? C'est glauque comme hôtel. C'est fermé. J'ai besoin d'une clé. Ok. Je vois qu'il y a une clé juste ici. Je vais la récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent. Oh, mais en fait, je suis une voleuse. Bon, de toute manière, il n'y a personne. Mais c'est bizarre. C'est comme si j'étais obligée de passer par une chambre pour sortir. Il n'y a pas de porte de sortie. On dirait bien l'accueil d'un hôtel. Pourquoi ces chambres sont barricadées? C'est étrange. C'est comme si quelqu'un avait essayé de casser cette porte. Et s'il n'y a pas de poignée? Cet hôtel est vraiment très étrange. J'ai vraiment peur. Pourquoi quelqu'un toque à la porte? Peut-être me cacher? Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, comme moi? Est-ce que je devrais lui ouvrir la porte? Il y a quelqu'un? Vous avez toqué à la porte. J'ai l'impression que les pièces se suivent et se ressemblent. Allons-y. C'est moi ou la poignée a bougé? Ce tableau me donne la chair de poule. Je vais peut-être trouver des choses importantes là-dedans. Un briquet?
J'ai entendu un bruit. C'était quoi ça? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Mais il y a combien de pièces dans cet hôtel? Mon Dieu, il y a eu un flash de l'autre côté. Il faut vraiment que je passe par là. Enfin de la lumière. C'est vraiment très sombre, j'ai très très peur. Il y a du bruit par là. Comme s'il pleuvait juste derrière ce mur. Oh mon Dieu. C'est une chambre d'hôtel. Et quelle heure il est? Quoi? Il va être 1h du matin? C'est impossible. Le temps n'a pas pu passer aussi vite. Oh! Il y a quelqu'un qui a toqué derrière ce mur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit. Je vais bien prendre une arme pour pouvoir me protéger parce que je ne sais absolument pas. Ah! Je n'ai pas ouvert cette porte, c'est pas moi! Elle s'est ouverte toute seule! Il y a un cadenas sur cette porte. Je n'ai pas de clé. Alors que je passe ici pour trouver une clé, je suppose. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Quel est cet endroit? J'en ai marre que ces portes, elles s'ouvrent dès que je m'approche. Peut-être au moins quand je sortirai d'ici, je serai riche. Ah, j'ai entendu un bruit. Oh, cette sacrée horloge. Son bruit me fait peur. Y'a quelqu'un? Ah, y'a un cadenas aussi là-haut. Ça veut dire qu'il faut encore que je trouve une clé. Eh bien, on va faire toutes les portes. Et vu que la chance que j'ai, ça va sûrement être la dernière qui aura la clé. Non, 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 je n'entre pas dans cette porte. Non, non. Non, non, j'ai entendu du bruit derrière.
C'est quoi cette lumière bleue? C'est quoi cette lumière bleue? Non, non, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Je n'y vais pas. Non, non. Impossible. Oh, je suis sur la... Ah, je suis sur la clé, elle est dans cette chambre. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Oh mon dieu. Regardez, on voit de la lumière bleue en dessous. S'il vous plaît, dites-moi que la clé est ici. Mon dieu, elle est pas là. La clé n'est pas là. Non, faut pas que je rentre dans cette pièce. On va quand même essayer celle-là. J'ai entendu du bruit derrière, mais... Regardez, même ici, on voit en dessous, il y a un trou en dessous du mur. Non, 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 la clé, s'il vous plaît, la clé! La clé! Oh non, je suis obligée de... d'aller dans cette pièce. C'est quoi ce bordel? On dirait des petites lucioles bleues. En fait... Non, il n'y a personne. Je ne suis pas en danger. On dirait que ces lucioles, elles essayent de m'aider. Moi, je me suis vraiment inquiétée pour rien. En fait, ça se fait, il n'y a rien dans cet hôtel. Il est un peu bizarre, un peu glauque. Mais finalement... Il se passe rien, on est d'accord. Je n'ai rien à craindre. Tout si en plus j'ai des lucioles qui m'aident. Aussi, j'ai vu quelque chose au plafond. J'ai vu quelque chose au plafond. Oh non, c'était... C'est juste un lustre. Oh mon dieu, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière, elle a clignoté? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ça m'a dit de sortir... C'est de l'autre côté. Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Faut que j'économise mon briquet. Encore le bruit de la pluie. Ça, encore, je ne trouve pas ça inquiétant. Je trouve vraiment pas ça inquiétant. C'est limite relaxant. Non, ça doit être le tonnerre. Ça doit être le bruit du tonnerre. J'entends des chuchotements. Oh! Cette chambre est vraiment belle. Si je n'étais pas perdue et je ne trouvais pas cet endroit vraiment bizarre... Eh bien... Je dormirais bien ici. Ma mère doit vraiment s'inquiéter en plus pour moi. Ça fait combien de temps que je suis partie? Oh! Pour une fois que j'ai de la chance, je trouve très rapidement la clé. Là, il n'y a rien. Mais qui a mis ce tableau ici? C'est vraiment flippant. Oh mon dieu, encore une chambre. J'aime pas.
J'aime pas cette ambiance. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui dort dans le lit. Où cette armoire est pas... Elle n'est pas contre le mur, ça me stresse. Oh mon dieu, j'ai eu peur, ça a clignoté. Oh ah, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les lumières elles clignotent, il y a cette chose qui passe. Oh mon dieu, il y a trop de... Oh, j'aime pas ça, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui sorte. J'ai presque plus de lumière. Il y a un escalier, c'est la première fois que ça arrive. J'aime pas, en plus la porte, regardez, elle est cassée. Non, je ne suis pas obligée d'y aller. Mais il faut que je trouve un briquet. Parce que il est presque mort le mien. Non, je ne peux pas. La porte ne veut pas s'ouvrir. Je suis obligée d'avancer. Ce n'est que l'orage. Ah, peut-être qu'il faudrait que je regarde si je trouve un autre briquet. C'est quoi cet endroit? Je n'aime pas ça. Je vous le dis, je n'aime pas ça. J'ai l'impression que quand je vais me retourner, il va y avoir quelque chose derrière moi. J'aime pas cette pièce non plus. Je n'ai aucun endroit où me cacher. Oh non, c'est bien sombre. C'est très très sombre. Vite. Ah, je ne vois rien. Je vois rien. Je ne sais pas où je suis. Ah, je m'en vais, je ressors vers la lumière te guide. J'ai l'impression que c'est moins sombre qu'avant. Ah, mais dès que je m'approche, ça... Mais comment je fais? Je n'ai plus de lumière, je ne vois rien. Vu comme ça, j'ai l'impression que la porte, elle va être... Il faut que j'aille tout droit, pied à droite. Je n'ai pas le choix, il faut que je trouve la porte, Ah ! Oh ! Oh mon dieu ! Plus jamais ça ! Un briquet, s'il vous plaît, un briquet ! Mais personne ne fume dans cet hôtel ! Personne n'a de briquet, c'est impossible ! Je pourrais plus avancer. Sans briquet, je vais plus pouvoir retrouver la porte. Oh non, 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 elle arrive. Elle arrive. Elle casse toutes les lampes sur son chemin. Je sais que la porte, elle était ici, mais je ne vois rien. Ou je continue tout droit. C'est une fausse porte. C'est bon. Je m'en suis sortie, je ne sais pas par quel moyen, mais... On y est arrivé. À quoi ça sert de l'argent dans cet endroit? De toute manière, je vais mourir, je vais devenir millionnaire, mais si c'est pour mourir, ça sert à rien. Est-ce qu'il faut que je me cache? Non. J'ai vraiment peur, mais il faut que je vérifie ces tiroirs. Je vais faire une crise cardiaque. Plus je reste ici, plus ma santé mentale, elle en prend un coup. Ah, il y avait un truc là. Il y a un truc sur le mur, mais j'ai l'impression que... Est-ce que c'est...
expliquer cette chose. Ce n'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Je sais pas, est-ce que... Il est quelle heure? C'est impossible. Il est seulement 5:00. Mais tout à l'heure, il était presque 1h du matin, j'ai l'impression que le temps, il va en arrière. Mais pourquoi cette chose me regarde? Vite, partons d'ici. Oh mon dieu, il faut que je trouve un endroit à me cacher, Quoi? Non, la chose ne vient pas. Est-ce que les lumières ont... Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît. Vous me faites peur. Non, elle arrive là, elle arrive là, elle arrive. Non, elle n'arrive pas. Mais si, la lumière, elle clignote à chaque fois que je rentre dans une pièce, maintenant. Comment je vais faire pour savoir si cette chose arrive ou pas? Comment que je fais? Oh, je sais pas c'est quoi ces trucs là, mais... C'est vachement sombre ici. J'ai du mal à y voir clair. Ah, il y a une deuxième porte en fait, il fallait passer par là. Ouf. Non, elle ne vient pas. Vraiment, je comprends pas. Ouf. Je commence à m'y habituer à ses yeux. J'ai l'impression qu'ils ne me feront pas de mal. Allons-y. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette chose? Mon dieu! Ça me course! Ah! C'est quoi cette chose? C'était quoi, mon dieu? Oh mon dieu! Vite, faut que je parte d'ici! Oh! J'ai mal! J'ai tellement mal au cœur! Ce n'est pas fini. Ah, je cours plus vite. Bon, elle est passée, elle est passée. Faut que je sorte. Vite. Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai cru vraiment que ça allait être la fin pour moi. Non. C'est une très très mauvaise idée d'aller dans une cave. Très très mauvaise idée, mais j'ai pas d'autre solution, il faut absolument que je passe par là. Je m'enfilerais bien quelques tonneaux de vin là. Ça m'aiderait à passer cette étape. J'ai vu quelque chose ici? Ah non. Oh, si. En fait, j'ai bien vu quelque chose.
Oh, je n'aime pas cet endroit. En plus, il y a de la poussière partout. Mais... D'accord, mais je ne sais pas où est-ce que j'aurais dû aller. Oh, il y a des bruits. Comme si quelqu'un jouait de la musique. Mais oui, mais j'ai déjà appuyé sur les lucioles, elles essayent de m'aider, mais j'ai déjà actionné ce levier. Peut-être que ça a ouvert la porte. On va aller voir en haut. Ah si, c'est bon. Pourquoi les lucioles me montrent? Oula. Je vais aller voir, peut-être qu'elles me montrent quelque chose que j'ai oublié. Non. Ah non, elle me montre toutes les portes que j'ai déjà passées. Allons, on continue. Cet endroit ne peut pas s'étendre à l'infini. J'ai l'impression d'être déjà passée par là des milliers de fois. Ouf, Je suis obligée d'y aller, quoi? J'ai entendu un bruit vraiment très très inquiétant là-haut et je suis obligée d'y aller. Non, 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 il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Non, non, non. Non, 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 il n'y a pas moyen que j'y vais là-haut. Non, mais ils sont... Non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Non mais c'est une blague, il y a un tyrannosaure Rex derrière et puis viens. Quel est... Ah mon dieu, je... Oui. Il faut que je l'évite. Ah. J'y vais, je m'en vais. Il m'a pas vu, je m'en vais. Je me cache, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il est loin, je l'entends, il est loin. Non, il y a un cadenas, il y a un fucking cadenas. Faut que je trouve un code quelque part. Mais où? Où est-ce qu'il peut y avoir un code? Là, les lucioles, je crois qu'elles me montrent. Oh mon dieu, il m'a vu, je sais pas où me cacher. Non, il m'a pas vu. Il est où? Il est juste là. Et le code, il est juste là, mais... Comment je vais faire pour... Il est juste là. Faut que je redescende en bas. Oh non, 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 non. Est-ce qu'il va monter en haut? Il va vraiment monter en haut? Il m'a vu, je crois. Il va passer devant moi. Comme c'est... Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un RP dans Dourz. Normalement, je devais pas le faire toute seule, mais bon, ça s'est pas fait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire toute seule. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est la première fois que j'ai joué à Dourz, hein, pour les gens qui se demandent. D'ailleurs, on voit le petit 1 maintenant à côté de ma tête pour dire que c'est la première fois que je suis morte. Je sais que c'est le genre de jeu que, franchement, c'est difficile, hein, pour moi de faire vraiment. Je pense que dans le RP, ça s'est même ressenti que je flippais vraiment, en fait. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous voulez une deuxième que je fais avec quelqu'un, eh ben, je referai une deuxième. En tout cas, bah, pauvre Quinzel, elle s'en est pas sortie, franchement. J'y croyais à la fin, je me suis dit que c'était la dernière porte. Alors, je sais pas si c'est vraiment la dernière porte à passer, si c'est la porte finale ou pas. Mais, bah, moi, j'ai...
j'ai vraiment cru déjà au moment où je me suis fait poursuivre que ben, c'était la fin et que si je m'en sortais sur la course poursuite, c'est que j'arrivais à la dernière porte, mais en fait pas du tout. Je me suis vraiment chié dessus. J'espère que ça vous a plu et dites-moi hein, vraiment parce que bon normalement je fais les RP horreur le vendredi, là je me suis dit j'aimerais bien incorporer des jeux horreur au RP. En tout cas je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.